6h, 9h, Manu à la radio. Fun Radio. Parlons télévision ce soir à 19h sur France 2. C'est la première de l'émission Chéri, fais tes valises. Ouais. Très bon titre. Ouais. Déjà, très bon titre. Je serais allé un peu plus loin, moi, si c'était moi, j'aurais fait Chéri, je baisse ta sœur, Chéri, fais tes valises. C'est mon truc. Bon, c'est présenté par l'animateur préféré des Français. Ah. Tu le kiffes, Oriane. Je suis en kiff sur ce mec, c'est un peu mon fantasme depuis la brosse à dents à dents. Eh ben écoute, moi, j'ai eu des relations sexuelles avec lui, c'est pas ce qu'on raconte. Hein. Ah ouais? C'est beaucoup mieux. Ah. Animateur sexy, vous parlez de Bernard Montiel? C'est présenté par Nagui, c'est à 19h ce soir. Et Nagui, les amis, nous l'avons au téléphone. Waouh. Oui, absolument. Je n'en parlerai jamais de ces relations. Tu m'avais dit, tu m'avais juré, Manu. Ça me fait tellement de mal quand je te réentends avec cette petite voix, Nagui. Tu m'avais dit qu'on dirait pas que je suis le père de ton enfant. Mais pourquoi tu le dis maintenant? Parce que c'était une première mondiale et que les gens doivent le savoir. Oui, on peut faire un enfant entre hommes. Absolument. Bon, donc ce soir, il y a l'émission quand même, Nagui, qui change, qui était N'oubliez pas les paroles, qui devient maintenant Shérif et les valises. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou on peut parler d'autre chose? De sexe. On peut parler d'autre chose, on parle de ce que tu veux, tout baigne. Très bien, alors nous allons parler du Téléthon. t'es un enfoiré parce que en tant d'années de pseudo-amitié entre toi et moi, tu n'as donné qu'une seule fois au Téléthon et t'es vraiment un gars. Tu rigoles ou quoi? J'ai pas donné, je t'ai menti. Ouais, n'empêche que c'est l'année où j'ai donné où ça fait vachement plus de progrès. J'ai l'impression que mes 4 euros, ils ont beaucoup aidé. Absolument. Tu refais le Téléthon l'année prochaine? Normalement oui, enfin je sais pas. Il y a un moment, tu vas te fatiguer, t'arriveras plus à bouger, on va donner pour toi au Téléthon. C'est une enflure. Tu verras quand tu seras père, quand tu auras un enfant dans tes bras. Tu vas changer, Manu. Tu vas changer, tu vas être obligé de laver ton jean plus souvent. Déjà, tu vas voir. Tu vas te laver les mains et tu vas arrêter de te gratter les boutons. Le truc qui m'angoisse le plus avec un enfant, parce que je vais bientôt avoir un enfant, ça peut arriver à n'importe quel moment là. On peut m'appeler. Bon, en émission, tant pis, hein, elle accouchera seule, mais. Le truc qui me stresse le plus, c'est le bébé, il paraît que ça vomit beaucoup. Ouais. Ça crache. C'est vrai. Ça va me cracher sur mes vêtements. Non mais toi, par rapport à toi, tu vas voir, tu seras dans mon rythme, t'inquiète pas, ça sera comme toi. Tu dirais, cet enfant, il est normal, il va vomir autant que toi. Oh. Oui, pareil, tu vois, t'inquiète pas. Ça me plaît. J'aime ce principe. Il fera comme toi, il fera caca sans aller aux toilettes, il restera debout. Ah, comme moi. Ouais, pareil, tout pareil. Ce qui est chiant avec l'enfant, c'est de devoir être esclave de lui, tu vois. Moi, je veux bien lui essuyer les fesses quand il fait caca, mais il me rend la monnaie de ma pièce, quand je fais caca, il fait pareil. Désolé. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, d'accord, attends. Et c'est pour ça que moi, lorsque je suis sorti du ventre de ma maman, ouais, lorsque je suis né, la première chose que j'ai fait exactement comme mon père. J'ai mis un coup de bite sur le front. C'est horrible. Parce qu'il l'avait fait quand moi j'étais à l'intérieur. Alors, on prend pour qui? Bon, il y a de la pub qui arrive, Nagui, on a réussi quand même à t'avoir au téléphone. Est-ce qu'on parle de l'émission de ce soir ou pas du tout? Non, on n'en parle pas, mais on la regarde à 19h sur France 2, puis c'est tout. Qu'est-ce que tu me gonfles, Manu? Moi, j'essaye de relancer ta carrière, parce qu'aujourd'hui, on sait que t'es en chute libre, alors j'essaye de faire quelque chose. La chute, je suis en train de la vivre, voilà. Le grand moment de solitude du mec de l'autre côté du téléphone, 3 fois coupé à la radio, je suis en train de... Tu sais quoi? C'est ma meilleure interview télé que j'ai jamais faite. Bon, ouais, je vous embrasse tous, et puis vous inquiétez pas, je continue d'écouter Nagui et Manu le matin. À bientôt.